A partir des clés en plus 10, tu rencontreras le nouvel affix de saison, Tourmenté. Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur cet affix. C'est parti. A partir des clés en plus 10, tu rencontreras 4 lieutenants du geôlier énervés qui viendront squatter ton donjon. Tu peux voir où ils sont en ouvrant la map, ils sont symbolisés par une tête de mort, comme tu peux le voir là. Bon, de toute façon, tu vas vite savoir où ils sont parce qu'ils sont toujours au même endroit sur les donjons et ils ne bougent pas. Tu peux décider du coup de les faire ou de ne pas les faire. Sachant qu'ils ont quand même des petites spécificités propres à eux-mêmes, notamment une aura qu'ils t'appliquent dès que tu rentres en combat avec. Par exemple, t'as un lieutenant, son aura c'est qu'il réduit les soins reçus de 50%. Et si tu décides de pas le faire, cette aura-là, elle est ajoutée au boss de fin, et dès que tu vas rentrer en combat avec le boss de fin, ça va être énervé. Par exemple, sur ce clip-là, comme tu peux le voir, on est sur le dernier boss d'expiation, on n'a pas fait le lieutenant qui met une aura de feu dans le temps. Du coup, on se prend des dégâts continus de feu, en plus de se taper des mécaniques de base du boss. Il y a également un autre avantage assez sympa au fait d'aller tuer les lieutenants, c'est qu'ils vont te donner des pouvoirs d'anima. Ces pouvoirs d'anima sont dépendants du lieutenant que tu tues, et sont toujours les mêmes suivant le rôle que tu joues. Donc il n'y a pas de RNG, il n'y a pas d'aléatoire et compagnie. Donc par exemple, chaque DPS de ton groupe va toujours avoir les mêmes 3 choix sur un boss, et ces mêmes 3 choix seront toujours les mêmes suivant le lieutenant que tu tues. Donc on a des pouvoirs pour les DPS, pour le heal et pour le tank. Je vais te montrer tout de suite, lieutenant par lieutenant, les types de pouvoirs que tu peux avoir et comment fonctionnent les lieutenants. C'est parti. Commençons par Arcolat, l'incinérateur. Arcolat, son aura, c'est qu'il va t'infliger des dégâts de feu toutes les 3 secondes et il va les infliger à toutes les personnes du groupe. Il a également 2 compétences qu'il va spammer. La première, c'est Melt Soul. Ça met un debuff sur quelqu'un qui fait que ça augmente les dégâts de feu subis. Donc de base, tu vas prendre plus de dégâts de son aura avec ça, et ça peut être dispel par le healer. Et sa deuxième compétence, c'est Scorching Blast. Donc en gros, il va faire une AOE au sol, que tu peux esquiver. Donc il va la canaliser, t'as quand même pas mal de temps pour l'esquiver, et ensuite ça va laisser une flaque au sol. Si tu te la prends, ce sont des gros dégâts de feu, et si tu restes dedans, ce sont également des dégâts de feu. Sachant qu'il peut en mettre au maximum 3 sur la map, c'est-à-dire que du coup, quand il va caster sa troisième, comme tu peux le voir ici, ça va retirer une qu'il a au sol et il pourra en mettre une nouvelle. Donc au maximum, tu auras toujours 3 zones au sol d'Arcolat. Une fois que tu l'as tué, tu vas obtenir différents pouvoirs qui sont propres du coup à l'aspect que tu joues. Par exemple, si tu es DPS, tu auras le choix entre 3 pouvoirs, soit un purement basé sur l'exécution, qui te permet de faire plus mal avec tes sorts et compétences si les ennemis sont en dessous de 30% de points de vie. Tu as également un autre qui est le galvanisant, mais pour toi-même, ouais, la fixe de Mythic Plus, qui fait que quand les ennemis meurent, ça te rend plus fort. Et le troisième qui fait que quand tu es au-delà de 70% de points de vie, tu gagnes de la stat, basée sur ta stat secondaire qui est la plus haute entre hâte et critique. Et le second lieutenant que je te propose de rencontrer, c'est Horos, le cœur algide. Son aura à Horos, c'est qu'il réduit la vitesse de déplacement de 50%. Ouais, ce qui est quand même assez conséquent. Horos, il a également 2 compétences qui sont propres à lui-même. La première, c'est simplement un debuff qu'il va mettre sur quelqu'un qui n'est pas dispelable et qui va faire des dégâts sur lui et en zone autour de lui. Donc là, la strat, c'est simplement d'être spread et de pas pull des mobs en esquivant tes potes et d'esquiver également tes potes. Sa deuxième compétence, c'est Frost Lance, donc sa lance de froid. Il va faire un gros cast en face de lui, et tu as juste à pas être dedans, sinon tu te fais knockback et tu vas prendre des énormes dégâts de givre. Concernant les pouvoirs que tu peux avoir, si tu es DPS, tu auras le choix entre soit un pouvoir qui fait que tu vas gagner une réduction de dégâts et de la vitesse de déplacement si tu perds plus de 25% de ta vie d'un coup, bon, en gros que t'as slacké, on va pas se mentir, soit que tu as des dégâts augmentés sur la cible que tu cuts, soit qui réduit simplement les dégâts que tu prends des dégâts de zone. Ensuite, l'exécuteur Varus. Alors lui, son aura, elle est bien badass comme il faut. Il réduit les soins reçus de 50%. Boum. Ensuite, il a 2 compétences. Il en a une où il a clairement envie d'aller casser la tête au tank. C'est Decapitate. Decapitate, ça fait des énormes dégâts physiques sur le tank et ça lui met un saignement. Sa deuxième compétence, là, il va viser un petit peu les autres joueurs parce que bon, il n'y a pas que le tank après qui il en a. C'est Raise. Il va charger sur une cible, donc évidemment cette fois-ci pas le tank, il va faire des dégâts de zone et il va également infliger un saignement sur les cibles qu'il a touchées. Donc là l'idée, en gros, si t'es ciblé par ça, tu t'éloignes de tes potes de façon à ce que il n'y ait que toi qui te prennes les dégâts et les saignements, et idéalement tu mitiges également ça, ou tu mets une immune, ou tu mitiges de façon à réduire les dégâts que tu reçois, parce qu'en plus, oublie pas, les heals ils sont réduits ici.
Concernant les pouvoirs, si t'es un DPS, Varus va être extrêmement sympa avec toi. Il te propose parmi ces trois options, soit attamer de blessures nécrotiques. C'est un debuff qui va faire d'un saignement physique sur la cible et qui va également absorber les prochains soins que la cible reçoit. Donc c'est un peu comme une frappe nécrotique si on veut d'un DK impie en PVP. Bon, effectivement, en Mythic Plus, il n'y a pas tellement de créatures qui se soignent et généralement ça peut se kick ou se dispel, donc l'intérêt est quand même relativement moyen. Par contre, il y a Nuage Volcanique. Actuellement, Nuage Volcanique, c'est extrêmement fort sur le PTR, ça va très probablement être nerfé parce que c'est beaucoup trop fort, ça fait 30% du DPS de quasiment toutes les classes. Nuage Volcanique, ça fait en sorte que quand tu fais des compétences, donc quand tu fais des dégâts, tu as des chances de faire proc Nuage Volcanique qui va faire érupte le sol au pied des cibles que tu tapes et qui va faire des dégâts de zone et qui va les mettre en l'air. La troisième option, c'est marque du champion. Ça fait en sorte que quand tu es au-delà de 70% de points de vie, tu peux avoir de la hâte ou du critique qui sont augmentés basé sur quelle est ta stat secondaire la plus haute. Et le petit dernier, c'est second nom, le briseur. Alors lui, il est clairement là pour aller briser du tank. Déjà, son aura, c'est que tous les joueurs reçoivent des dégâts physiques augmentés de 50%. Bon, déjà pour tanker, on va pas se mentir, c'est pas ultra pratique. Mais surtout, il va canaliser pendant 2 secondes Lumbering Might ou Puissance Chanceuse en français. Et quand il arrive à la fin de son cast, il va devenir tout gros. Il va avoir une vitesse de déplacement réduite de 50%, mais ses dégâts vont être augmentés de 200%. Autant te dire que le tank, il est pas dans la merde. Donc là, grosso modo, ce que ça inclut, c'est que le tank, il doit aller se barrer le plus loin possible du monstre pendant les 8 secondes du buff, et ensuite, il peut le retanker de façon normale. Sinon, simplement, l'autre option, c'est de sortir tes meilleurs CD défensifs pour tenir ces 8 secondes de burst. Et cette deuxième compétence, elle est assez simple à esquiver, c'est un petit truc un peu anti-corps à corps, c'est Massive Smash. Ça va faire un gros smash sur le sol qui va faire des dégâts aux joueurs qui restent dedans, et si tu restes dedans, ça te knockback, ça te repousse en arrière. Sachant qu'on sait jamais, si t'as l'envie de rester dans cette compétence, ce sont des dégâts physiques. Et concernant les pouvoirs qu'il te donne, si tu es DPS, là ça va être des options qui sont carrément défensives. Le premier, ça te donne un bouclier qui fait 20% de THP et qui se refresh tout seul toutes les 30 secondes, complètement gratuit. Le deuxième, ça te donne 25% de ponction si tu es en dessous de 25% de points de vie. Et le troisième, ça te redonne 6% de THP toutes les 3 secondes si tu ne bouges pas. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo concernant le nouvel AFX de la prochaine saison en Mythic Plus. Je te laisse m'indiquer absolument tout ce que t'en penses en commentaire, voire même tes questions si t'en as et t'as des trucs qui te viennent à l'esprit. Dans tous les cas, n'oublie pas, c'est le PTR, donc il y a encore possibilité qu'il y ait des trucs qui bougent, c'est principalement en test, hein. Leur but c'est de vérifier est-ce que ça fonctionne bien, mais dans l'idée en tout cas ça ressemblera à ça le prochain AFX de la saison prochaine en Mythic Plus. N'hésite pas à t'abonner pour être informé quand les prochaines vidéos sortiront. Prends bien soin de toi.